Name ist Mordechai Wolkenbruch, kurz Motti. Motti! Motti! Und das hier, das ist ein arrangiertes Treffen. Er verkackt es wieder. Ich soll nämlich endlich heiraten. Mann! Telefon! Ich habe ihr gesagt, dass du hast heute Nachmittag Zeit. Hallo? Bei uns jeden gibt es einen ganz klaren Lebensplan. Man wird geboren, beschnitten, macht mit 13 Jahren Bar Mitzwa und heiratet später eine Jedin, die so fromm ist wie man selbst. Bonjour, je m'appelle Noémie Schmidt. Je suis ici pour vous présenter le film Wolkenbruch, qui est un film réalisé par Michael Steiner. Bienvenue sur clap.ch. Comment le projet Wolkenbruch vous est parvenu? Est-ce qu'on vous a contacté ou est-ce que c'est vous qui êtes allé vers le projet? Non, c'est Corinna Glaus, qui est directrice de casting en Suisse, à Zurich, qui m'a appelée pour faire le casting. Alors je me suis déplacée à Zurich pour... Voilà, j'ai lu le scénario et puis j'ai fait des essais avec Steini qui était là aussi. Est-ce que vous aviez une crainte, puisque le film n'est pas dans votre langue maternelle, c'est un film où vous êtes obligé de parler en allemand. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose qui pouvait vous retenir ou au contraire vous attirer comme une expérience nouvelle? Ouais, justement, c'était plutôt un challenge, un défi que j'avais envie de relever. Et je trouvais ça super chouette qu'on me fasse confiance pour m'exprimer dans une autre langue que le français. Et puis surtout, l'opportunité de faire un film suisse, parce que j'avais jamais fait un tournage en Suisse, donc... J'étais super heureuse de pouvoir participer à ce cinéma suisse que je connais mal. Et est-ce que le personnage de Laura dans le scénario était déjà roman ou est-ce qu'il est devenu roman à cause de vous? Non, je crois que dans l'idée, c'était pas forcément quelqu'un de roman. Mais Steini a aimé l'idée que cette personne soit pas forcément, qui n'ait pas forcément la même langue, vu que c'est un rôle un peu de disruption dans la vie de Motti. C'était aussi intéressant qu'elle ait un petit côté étranger du coup, dans la langue. Ça a rajouté quelque chose au personnage. Et est-ce qu'il y a des points particuliers qui vous ont séduit dans le personnage de Laura, la lecture du scénario, ou d'autres qui vous ont paru peut-être sujet à un changement de votre part? Ce que je trouvais intéressant, c'était qu'on dépeignait une personne, une femme très moderne, qui fait ce qu'elle a envie de faire. C'est elle qui vient draguer Motti à la base. On ne comprend pas forcément pourquoi elle s'intéresse à lui. C'est une femme qui a des désirs et qui les assume. Elle est très curieuse de ce personnage, de cette religion, de cette communauté qu'elle ne connaît pas. Ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Et puis quand elle en a marre, elle le dit aussi. Elle ne s'engage pas forcément. Donc c'est une jeune femme moderne. Et en même temps, du coup, au vu de la communauté juive, c'est une jeune femme hyper rock'n'roll, alors que c'est juste une jeune fille normale de notre ère du XXIe siècle. Et justement, cette communauté yéniche, juive de Suisse... Est-ce qu'on vous a coaché avant le tournage sur cette communauté ou est-ce que, comme le personnage de Laura, vous l'avez découvert au fur et à mesure du tournage? Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai eu vraiment beaucoup de liens avec des gens qui m'ont parlé de la communauté. On avait quelqu'un sur le tournage qui s'appelait Sam, qui est quelqu'un qui a vécu qui a grandi dans une communauté juive et qui s'est séparé de sa famille. Au bout d'un moment, donc il n'y a plus de lien avec sa famille parce que maintenant il a une vie, on va dire, normale, c'est un peu nul de dire ça, j'ai pas d'autres mots. Mais en tout cas, il est plus dans cette communauté-là et donc il avait vraiment à cœur de nous donner des détails, que ce soit le plus crédible possible pour rendre honneur à cette communauté et pouvoir prendre de la distance et rire de ça tout en étant dans dans un certain réalisme. Quel a été le déclic pour que vous disiez « Tiens, j'aimerais bien essayer de faire actrice et je vais faire les efforts pour, c'est-à-dire école, trouver des tournages » Moi, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 10 ans. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite eu un amour très profond du jeu, du fait de prendre des personnages, de s'amuser de ça. Donc, j'ai toujours su que c'est vrai que j'avais un truc vraiment particulier avec le fait de jouer... et de réfléchir à comment on interprète un personnage, comment on fait rire les gens, comment on les touche. C'était ça aussi qui m'intéressait, le fait de sentir des silences avec le public, une communion avec les gens, tout ça. Après, j'ai jamais vraiment pensé « je vais être comédienne ». J'ai juste continué à faire du théâtre parce que j'aimais ça. Je suis allée beaucoup au théâtre quand j'étais plus jeune aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir été coachée là-dedans, que mes parents me valorisent cette curiosité que j'avais et me fournissent les possibilités
culturelles qui sont quand même un privilège énorme qu'on a en Suisse, d'avoir accès à la culture. Et donc, au bout d'un moment, quand j'ai fini la matu, je me suis dit, bon, j'avais envie de voyager, de partir un peu de la Suisse, de voir d'autres pays, cultures. Donc, je suis partie aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai rencontré plein de gens qui avaient cette espèce de logique de « si t'as envie de faire quelque chose, vas-y ». Et c'est vrai que c'est un peu mon discours aussi, c'est que je pense qu'on n'est jamais aussi bon que dans ce qu'on aime. Et moi, j'adore jouer, j'adore le cinéma, j'adore le théâtre. Et donc, j'ai pas vraiment réfléchi stratégiquement, je me suis juste dit « je vais faire ça puisque j'aime ça ». Et je suis partie à Bruxelles, j'ai fait mes études là-bas. Et puis après, c'est des rencontres qui ont fait que j'ai commencé à faire du cinéma. Et puis j'ai continué à rencontrer des gens hyper intéressants qui m'ont inspirée. Qui m'ont donné ma chance, qui m'ont fait confiance. Et donc, ça s'est fait un peu au fur et à mesure des rencontres. Mis à part le côté financier, hein, je ne parle pas du tout de ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de refuser des personnages parce qu'ils ne vous correspondaient pas ? Non, je pense que justement, l'intérêt d'être comédienne, c'est justement de donner vie à des personnages qui ne nous ressemblent pas forcément. Et c'est vrai que les journalistes me posent plein de questions sur moi, donc ça m'amène à parler de moi. Mais en vrai, ce qui m'intéresse, ce n'est pas moi, c'est le monde, c'est le monde dans lequel on vit, c'est les souffrances intimes collectives de chacun, c'est l'émotion au sens large. Donc j'espère que l'idée, c'est de, quand je joue un rôle, c'est de pas parler de moi, mais plutôt du personnage. Donc ce qui m'intéresse, c'est plutôt de donner vie à des personnages qui me ressemblent pas forcément. Après, c'est sûr que quand tu joues, tu amènes toujours quelque chose de toi, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que vous pensez que, par exemple, certaines jeunes filles peuvent s'identifier à votre personnage en regardant un film, en se disant « elle n'est pas très sympathique, c'est pas un personnage qui va amener quelque chose de… » Ça me gênerait que certaines jeunes filles ou garçons, j'en sais rien, s'identifient à mon personnage. Si on parle de responsabilité par rapport à l'identification des gens, je pense que c'est une responsabilité qui passe par ce que je dis en interview, par exemple, ou quand on m'accorde une tribune publique et que c'est moi, Noémie, qui m'exprime. Mais la responsabilité du personnage, c'est autre chose, parce que là, on est dans de la fiction. Donc, dans un film, l'idée, c'est que le personnage, si c'est un connard, c'est un connard. Et c'est la question de l'identification, à ce moment-là, elle est autre, parce qu'on est dans une histoire fictionnelle et pas dans la réalité. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir une responsabilité d'inspiration si je joue un personnage dégueulasse. C'est justement pour dénoncer des choses ou pour raconter une certaine violence qui est réelle, qui existe dans le monde. Mais c'est plus pour la dénoncer que pour que les gens s'identifient. Par contre, quand on me pose des questions sur moi, mon rapport au monde, je suis consciente de cette responsabilité et j'estime que mon devoir, c'est de prôner l'intérêt général la possibilité pour chacun de construire sa propre utopie. Michael Steiner, comment il dirige ses comédiens ? Est-ce que vous avez droit à beaucoup de répétitions avant le tournage ? Est-ce que c'est plutôt beaucoup de prises pendant le tournage ? Comment il travaille avec ses comédiens ? On a fait quelques répétitions avant, on a pas mal discuté du scénario. Moi, j'avais plein de choses à dire, plein de choses à proposer. Et Steiner, c'est quelqu'un qui est très ouvert aux propositions, qui est très ouvert à l'énergie de chacun. C'est quelqu'un de super enthousiaste, qui a plein d'énergie. Et donc sur le plateau, si on a une proposition à faire, par exemple, rajouter une réplique ou changer quelque chose, il est toujours ouvert à ça. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette, cette liberté-là. Même si c'est pas les comédiens, si c'est par exemple dans la cinématographie, si le chef op propose un cadre, une lumière différente, il est toujours très ouvert. Mais après, il a aussi quand même une idée assez précise de ce qu'il a envie et de comment il fait, comment il raconte son histoire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'était pas toujours d'accord et que la plupart du temps, si j'avais une proposition, on la testait. Quoi. On était d'accord d'expérimenter. Quelle serait la différence fondamentale entre une production française comme L'étudiant M. Henry ou d'autres films que vous avez faits, et s'il y en a une, et cette façon de faire suisse? Non, en fait, j'arrive pas trop à déterminer ce qui est de l'ordre de la France ou de la Suisse et ce qui est de l'ordre de l'individu. C'est-à-dire, je travaille avec un réalisateur, il va avoir sa technique, sa manière de voir les choses, il y aura une relation qui sera unique parce que c'est une relation entre nous. Et donc, quand on me demande qu'est-ce que c'est que travailler avec un réalisateur suisse, je peux pas vraiment répondre. Parce que je sais pas ce que c'est que de travailler avec des réalisateurs suisses, je sais ce que c'est que de travailler avec Steiny. Mm-hmm. Et c'est un type de réalisateur. Et ouais, donc, j'ai pas vraiment
de théories sur la Suisse, la France. Après, c'est sûr qu'il y a plein de différences culturelles dans l'humour, dans la manière de raconter, dans la manière de filmer. Mais je ne sais pas si je peux les rattacher à l'esprit du pays, parce que c'est le seul film suisse que j'ai fait, donc je n'ai pas vraiment d'expérience dans ce domaine. Est-ce que ça vous donne envie d'en faire d'autres, quand, justement, maintenant que c'est fait, et peut-être du côté roman, on ne sait jamais? Ah ben j'aimerais bien, bien sûr, travailler pour des films suisses, si je me donne l'opportunité. Pour finir, est-ce que vous avez des projets dont vous pouvez déjà nous parler? J'ai Volkenburg qui va sortir la semaine prochaine, donc je suis en plein de promo. Et puis j'ai aussi un film qui s'appelle Paris est à nous, dans lequel je joue le personnage central, et qui est un film assez particulier qu'on a fait grâce à des crowdfunding. C'est un film indépendant, expérimental, et donc il est sorti sur Netflix vendredi dernier. Donc je suis en plein aussi dans un processus assez complexe de promotion, d'essayer d'analyser ce qui se passe et de savoir ce qu'on va faire maintenant pour la suite, parce qu'on aimerait bien continuer ce travail. Donc ça, c'est un peu, c'est pas très précis, mais en tout cas, c'est ce qui me prend la tête en ce moment. J'ai pas de projet, sinon je fais des castings, voilà, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire, mais je me laisse aussi pas mal le temps de me poser, de lire des livres, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'être dans la possibilité d'être libre de mon temps. Et je suis pas en train de vouloir absolument faire quelque chose. J'attends de voir et je me laisse la possibilité. Et ça, c'est grâce aussi au fait que je fais du cinéma, parce que c'est un milieu qui est très privilégié financièrement. Donc comme je suis plutôt bien payée sur les productions, et ben ça me laisse justement la possibilité de passer 2 mois sans être payée, et 3 mois, 4 mois pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire, pour être plus sincère avec moi-même, dans mes envies, et d'être attentive aussi à ce qui se passe dans le monde, etc. Et justement, en tant que spectatrice, est-ce que vous avez un coup de cœur, que vous avez un film que vous avez vu dernièrement qui vous voudriez absolument conseiller à nos internautes ou, Et ben, j'ai vu il n'y a pas longtemps un film qui est sorti à un petit moment, donc ce n'est pas du tout une nouveauté, mais c'est un film de Riyad Sattouf qui s'appelle Jackie au Royaume des Filles, que je n'avais jamais vu, et que j'ai trouvé hyper intéressant dans l'inversion. Donc c'est un monde où les femmes sont au pouvoir et les hommes sont subordonnés aux femmes, et toute cette inversion-là, elle est hyper bien faite. Je trouvais ça hyper subtil, hyper fin, vraiment très très, vraiment remarquable dans ce que ça propose et de ce que ça raconte de notre société et des disparités entre les genres. C'était vraiment une réflexion et en même temps un film très drôle, ça m'a bluffée. Est-ce que vous avez, vous, des attentes particulières quand vous allez voir, vous choisissez d'aller voir un film? J'ai pas vraiment d'attente particulière quand je vais voir un film, non. J'ai plutôt... ce que j'aime dans le cinéma, c'est être touchée, être emportée. Et donc, ça peut prendre plein de formes différentes. Merci beaucoup, Noémie. Merci à vous. Willst du mir sagen, du hast dich in eine Schickse verliebt? Ja. Da ist ja schon wieder ihre Dame. Du bist wirklich ein wunderlicher Zeitgenosse. Was tun wir jetzt? Vertrauen? In Wemmen. Moshe, wir gehen.